Merci de nous suivre pour vous informer. 2 juillet, date qui marque, selon le calendrier scolaire, la clôture officielle de l'année en cours. Malheureusement, pour l'année 2019-2020, qui a vu son calendrier être perturbé en date du 19 mars, suite à la Covid-19, va bientôt reprendre ses activités. Le ministre de l'EPST envisage la reprise de cours sécurisés en vue de permettre aux élèves de finir le programme scolaire selon les normes sanitaires édictées. S'agissant de la prochaine année scolaire, le ministre des tutelles a annoncé qu'elle va connaître un léger décalage. Les élèves de 6e année d'abord qui sont appelés à présenter les évaluations certificatives vont bientôt reprendre et ça va nous permettre de respecter la distanciation sociale, distanciation physique, n'est-ce pas, des élèves et aussi d'autres mesures sanitaires pour mettre, n'est-ce pas, les enfants à l'abri de toute contamination de cette pandémie. Donc, dans d'autres provinces non touchées, qui ne sont pas affectées par la Covid-19, nous aurons quand même une reprise totale, n'est-ce pas, de classe, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'en 6e année secondaire. C'est ça ce que nous projetons. Très bientôt, les élèves de 6e vont porter les bleus blancs. Ils seront déjà sur le chemin de l'école et ils vont présenter leur examen d'état et leur tenue à fête. Merci.